Bonjour à tous. Pour sa cinquième saison, Vue d'Auvergne aura pour fil conducteur la transmission dans plusieurs de ses dimensions, celle de l'héritage patrimonial, celle de l'identité, celle du savoir-faire que l'on se transmet, celle de la valeur de l'exemple qui fait avancer aussi. Ce programme vidéo parle à toutes les générations qui se trouvent ou se retrouvent autour des lieux choisis pour les tournages. Pour cette cinquième saison, nous sommes aujourd'hui au cœur du château de Parentignat, lieu prestigieux du patrimoine privé de notre région. Et c'est Anne-François Delastic, le propriétaire des lieux, qui nous accueille. Merci Anne-François. Merci Marc-Alexis, bienvenue à Parentignat. Merci beaucoup. Nous avons posé nos caméras depuis maintenant 24 heures, 48 heures très exactement, puisque nous avons aussi réalisé le film documentaire qui, lui, sera visible à travers le concept de Vue d'Auvergne dans 6 mois à peu près, très exactement le 19 décembre. La date est fixée, ce sera au casino de Roya, à Roya, bien évidemment. Rien n'est fait, rien n'est prêt, mais vous pouvez tous noter la date du 19 décembre prochain. Anne-François, lorsque vous entrez régulièrement dans ce lieu, puisque vous vivez entre Genève, Paris et Parentignat, que ressentez-vous à chaque fois que vous revenez ? Ben écoutez, ça dépend des moments. De temps en temps, un peu de découragement, parce que c'est grand et compliqué. Mais des journées comme ça, je me dis que la tâche valait la peine et que, comment dirais-je, un sentiment de... De fierté aussi, peut-être. De fierté d'avoir porté cette maison depuis... Ben, ça m'est tombé dessus, j'avais 23 ans. D'avoir porté cette maison et d'avoir fait énormément de travaux de restauration, extérieur, intérieur, d'avoir pu exposer une partie de la collection de tableaux de mon père et de l'avoir ouvert au public et de l'ouvrir de plus en plus. Quand vous voyez autant d'invités pour des soirées comme celle-ci ou d'autres, nous y reviendrons, ça vous fait chaud au cœur aussi d'ouvrir votre château au plus grand nombre ? Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est C'est quelque chose de très important, parce que une demeure comme Parentignat n'aurait absolument aucun sens pour rester enfermé et ne pas en faire profiter le plus grand monde. Notre soirée, vous le savez, c'est une soirée événement qui est organisée autour du thème de la transmission. Nos invités vont s'exprimer sur cette thématique et nous aurons aussi le témoignage vidéo exclusif de Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin. L'entretien réalisé sera retrouvé dans son intégralité sur le site internet du journal Info Magazine, qui est partenaire de cette soirée. Nous aurons aussi les témoignages de Mathias Bernard, président de l'Université d'Auvergne, de Claude Barbin, président de la CCI du Puy-de-Dôme, d'Alain Martel, directeur territorial de EDF, de Jean-François Deveau, président du Crédit Mutuel Massif Central, d'Alain Soreau, PDG des restaurants McDo en Auvergne, de Claude Aubert, dirigeant de Gestion 4, d'Éric Golfier, président de Caillou Entreprises, d'Olivier Bout, président de Chadaz et Gaz, et de Marcel Alédo, maire de Roya. Je les remercie tous de leur présence aujourd'hui et je vous demande à vous, mesdames, de ne surtout pas me demander pourquoi il n'y a pas la parité. C'est ainsi, j'ai tenté, il n'y a que des messieurs autour de nous ce soir. Mathias Bernard, dans transmission, il y a forcément la notion implicite d'éducation, et qui dit éducation dit enseignement. En tant que président de l'Université d'Auvergne et universitaire vous-même, comment abordez-vous la nécessité de cette transmission au-delà de la seule connaissance, donc du savoir ? Oui, ben je crois effectivement que la transmission, c'est un petit peu la raison d'être même de l'enseignement. Je crois qu'il y a en effet à transmettre à la fois des valeurs, à la fois des savoir-faire, à la fois des connaissances, et que c'est justement ce qui justifie même le rôle des enseignants. L'enseignant n'a-t-il conscience lorsqu'il est devant ses chères têtes blondes, brunes ou rousses ? Ah, je crois, parce que c'est ce qui fait vraiment la valeur ajoutée, on va dire, surtout aujourd'hui. Même à l'université, parce qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé au cours des dernières décennies de l'individualisation de l'acte d'apprendre, avec notamment les nouvelles technologies. On a parlé parfois même de classe sans professeur ou d'amphi sans professeur. Parce qu'effectivement, si on résume l'enseignement à la seule, inculcation, on pourrait dire, de connaissances, c'est vrai qu'il suffit de lire un livre, il suffit de regarder une vidéo,
Dans l'acte d'enseigner, il y a justement tout ce qu'il y a en plus, et notamment effectivement cette transmission de choses qui ne peuvent passer que par la relation entre justement un formateur et puis un individu, qu'il soit tout petit ou qu'il soit un jeune adulte ou un adulte, en train de se former. Est-ce que c'est le rôle vraiment des enseignants dès le plus jeune âge des élèves que de former au savoir-être dont on parle de plus en plus aujourd'hui dans notre société ? Oui, parce qu'on peut difficilement d'ailleurs distinguer le savoir-être des savoirs. C'est-à-dire que l'objectif de l'enseignement, c'est de faire en sorte que les jeunes ensuite puissent s'intégrer dans la société. Et on s'intègre dans une société, pas seulement avec des compétences techniques ou professionnelles, mais aussi avec un ensemble d'attitudes, de comportements, avec une culture. Je crois que quelque part, quand on parle de savoir-être, c'est la culture, au sens le plus large possible. Et quelque part, c'est bien sûr la transmission de cette culture, cette culture qui est à la fois héritée, qui est sans cesse réactualisée d'ailleurs par le monde contemporain. C'est cela la noblesse, je crois, du métier d'enseignant, hier, aujourd'hui et demain. Marcel Alledo, vous êtes le maire, prenez le micro, vous êtes le maire de Roya. Roya s'est lancé dans un pari complètement fou, mais qui a un lien avec la transmission. Vous avez décidé, et le conseil municipal, sous votre impulsion, a décidé de se porter acquéreur de la taillerie de pierre bien connue de Roya pour en faire un lieu de mémoire. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette direction, Marcel Alledo ? Écoutez, quand on est élu, la moindre des choses, c'est quand même de sauver le patrimoine d'une commune. Voilà qui va faire plaisir au marquis. Oui, mais c'est... Vous savez, c'est comme ça, mais... Quand j'ai appris que c'était vendu, parce que c'était vendu, et c'est grâce à la DRAC, bien sûr, et au Bâtiment de France, qui m'ont aidé, il a fallu qu'on remue un peu beaucoup de choses, de façon à ce que ça revienne dans le patrimoine de Roya. Donc, on a sauvé la taillerie, on a sauvé beaucoup de choses, et on a sauvé surtout le savoir-faire et le faire savoir. Parce que maintenant, il nous reste une chose, et c'est l'application. Et c'est ce qui coûtera le plus cher, mais je pense que... Vous voulez faire quoi de ce lieu ? De ce lieu, tout simplement, je ne veux pas parler d'un musée. On ne peut pas parler d'un musée. On va parler de quelque chose de vivant. On va certainement démontrer comme... Le musée, c'est inerte. Ce que je veux, c'est d'aider à la dynamique dans cette taillerie, parce que cette taillerie est connue dans toute l'Europe. C'est le seul bâtiment actuel qu'il y a en Europe dans le site tel qu'il est, parce que c'est un bâtiment qui date de 1890, qui s'est mis en route en 1903, 1904 au niveau de la taillerie, et puis après, bien sûr, le commerce des pierres. Donc, c'est un tout, et c'est une usine, j'appelle ça une usine, artisanale, bien sûr. Avec un vrai savoir-faire. Avec un vrai savoir-faire, et qui est resté en route et qui a fonctionné de 1904 jusqu'à 2004. Et aujourd'hui, le bâtiment est complètement dans son jus. Il paraît que les machines sont toujours là. Les machines sont toujours là. La poussière, bien sûr, a envahi les lieux. Il y a encore quelques pierres. On les a mis à l'abri, les pierres, parce que maintenant, les pierres... Non. Il y a la pierre à Volvic, mais chez nous, il y a de la pierre différente, mais qui est ailleurs que là. C'est normal. Et comment la population réagit-elle à ce projet, la population de Roya ? Pour l'instant, ils ont été très, très heureux qu'on puisse sauver le... Parce que normalement, ça devait devenir un immeuble. Vous voyez un petit peu comment ça se passe ? Ça devait être un immeuble, on a sauvé. Maintenant, la taillerie, on va lui rendre ses lettres de noblesse. Je suis persuadé et je me bats pour ça. Parce que c'est un patrimoine de Roya, un vrai patrimoine qui a fait d'abord tout simplement... la connaissance des gens au niveau de l'Europe, dans toute l'Europe. Je vous dis, c'est le seul bâtiment industriel à l'heure actuelle en Europe, à ma connaissance, qui est comme ça. On va suivre cette évolution et nous en reparlerons également dans le film documentaire de Vue d'Auvergne à la fin de l'année. Vous avez noté la date, monsieur le maire, on sera avec vous, on sera chez vous le 19 décembre prochain. Claude Aubert, vous êtes dirigeant du cabinet d'expertise comptable et commissariat aux comptes, groupe Gestion 4. En tant qu'expert comptable, vous accompagnez le développement, parfois la cession d'activité des entreprises. Comment regardez-vous ce souci d'évolution ou aussi de transmission le moment venu ? Est-ce que pour vous, c'est véritablement un enjeu que de dire à un moment donné à un chef d'entreprise pour lequel tout va bien, il vous amène un bon bilan, ou plutôt vous lui montrez que son bilan est réussi, il gagne de l'argent, puis vous lui dites « t'as pensé à ta transmission ?»
Oui, donc je vais donc intervenir en tant qu'expert comptable et je dirais sur les PME, PMI qui sont donc mes clients au quotidien. Donc quand on a une entreprise, pour moi une entreprise c'est presque un être vivant si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des moyens humains, il y a des moyens matériels et donc du coup la transmission d'une entreprise c'est quelque chose de fragile et très important si vous voulez. Et le maître mot pour cette transmission d'entreprise c'est vraiment l'anticipation, c'est-à-dire qu'il faut que le dirigeant il anticipe. C'est ça le socle de la transmission réussie. C'est l'anticipation. C'est l'anticipation. Il faut déjà qu'il se positionne, je dirais, très tôt par rapport au type de transmission, une transmission familiale. Ça peut être un château, ça peut être une transmission. Tout le monde n'a pas à hérité d'un château. Oui, mais on va y revenir. Comme nous l'a dit M. le Marquis, ça lui est arrivé à 23 ans. Il nous a dit hors micro, mais prenez le micro, Anne-François. Oui. Vous avez dit. Vous avez dit heureusement. Heureusement, j'ai dit. Bon, on reviendra sur le heureusement, tout le monde n'a pas hérité d'un château. Donc, il faut anticiper sa préparation donc, pour choisir son repreneur futur. Après, il faut prendre un certain nombre de décisions. Il y a des décisions en matière fiscale, en matière sociale, en matière environnementale, en matière financière, qui nécessitent de l'anticipation. À titre d'exemple, fiscal, c'est au moins 5 ans, si vous voulez, pour se positionner sur un schéma fiscal. Une question que je ne vous aurais peut-être pas posée, Claude Aubert, il y a 5 ou 6 ans, parce que les start-up n'étaient pas aussi présentes dans le patrimoine, dans le paysage de l'entreprise ici en France, mais aussi en Auvergne. Qui dit start-up dit quelque part position éphémère de l'entreprise. Alors que nous, ce soir, on parle de transmission et que vous rencontrez un grand nombre de chefs d'entreprise qui veulent perdurer au-delà de ce qu'ils ont créé, de leur entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe ? Est-ce que les entreprises d'aujourd'hui, donc les start-up ne sont pas en fait des espèces de satellites qui vont mourir aussi vite qu'elles sont nées ? Je ne crois pas. Enfin, pour moi, la start-up, si vous voulez, c'est déjà de l'innovation. Donc le schéma du capitalisme, c'est de créer de l'innovation, de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, si vous voulez, pour que l'humanité progresse. Si vous voulez. Enfin, c'est ça, en fait, pour moi, le capitalisme. Et les start-up, les exemples les plus récents, c'est quand même les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Le monde du net. Voilà, mais parce que ça correspond à la technologie du 21e siècle, si vous voulez, comme le train correspondait à la technologie du 19e siècle ou comme la voiture correspondait à celle du début du 20e. Voilà, donc en fait, l'innovation, c'est ce qui va créer l'emploi de demain. Et c'est des entreprises éphémères, oui, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui tentent et qui ne réussissent pas. Mais ceux qui réussissent, globalement, dans le monde économique actuel, c'est un peu le jackpot. 1988, Georges de Lastic, votre père, décède. Vous héritez du château. Vous réfléchissez avant d'accepter l'héritage au sens technique du terme. Pourquoi avez-vous réfléchi ? J'ai réfléchi d'abord parce que j'habitais aux États-Unis. Je n'étais pas du tout préparé à affronter une telle tâche à 23 ans. J'avais trouvé un travail aux États-Unis. Je voulais aller sur la côte ouest, faire partie de la première révolution technologique. Donc pas les startups d'aujourd'hui, les startups des années 90, donc le hardware. Et j'ai réfléchi, je suis rentré, je suis fils unique, et j'allais pas laisser ma mère se débrouiller toute seule avec Parentinia. Donc j'ai vous décidé avez accepté au bout de 2 ans, j'ai décidé de plonger et de faire ça parallèlement. J'ai une vie professionnelle parallèlement à Parentinia, mais de commencer les travaux de restauration et d'ouverture publique. Vous êtes marchand d'art. Pas vraiment, non. Vous êtes trop modeste pour le dire. Un fonds en art, mais ça c'est autre chose. Non, à l'époque j'ai fait du service, j'ai vendu de l'armagnac en Chine, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai racheté une agence d'hôtesse que j'ai revendue. Donc on parlait de transmission, c'est vrai que là je suis assez content parce que 7 ans après, le personnel qui était dans mon agence est toujours présent. Donc en fait j'avais bien préparé les choses et ça se passe très bien avec le groupe qui m'a racheté. Est-ce que vous acceptez que l'on vous dise avec du recul que ce qui est autour de nous a représenté à un moment donné un cadeau empoisonné ? Oui et non. Dans le mot cadeau empoisonné, il y a le mot cadeau, donc qui est plutôt positif. Empoisonné, oui, parce que c'est certain que j'aurais probablement une destinée totalement différente si je n'avais pas repris Parentinia, que c'est quelque chose qui coûte très cher. Mais après, les projets que nous avons à Parentinia, qui sont des projets de
De transmission, parce que le problème de ces maisons, c'est leur taille, le coût d'entretien, et surtout, je pense toujours à un cousin à moi qui a, les pauvres, ils ont deux châteaux, il a proposé à son fils d'en reprendre un, et le fils lui a répondu, papa, si je veux. Ça a fait rire tous les invités, le pauvre, il a deux châteaux. Oui, mais il a du mal. on reviendra sur la transmission, voilà. Le moment venu de ce château. On va en reparler. Vous le savez, Jean-Dominique Sénard, président du groupe Michelin, a également accepté notre invitation en témoignant ce soir de manière exclusive pour Vue d'Auvergne. Nous avons enregistré son témoignage mercredi dernier à Ladoux, très tôt le matin, je dois le dire, dans le nouveau centre de technologie. Il nous propose son regard sur l'importance de la transmission du savoir-faire et du savoir-être. Merci Jean-Dominique Sénard d'accueillir Vue d'Auvergne en ce lieu. Nous sommes à Ladoux, au centre de technologie Michelin. Ce lieu est le vaisseau amiral de la stratégie d'innovation de votre groupe. Il est le creuset des activités de recherche et développement. Je voudrais qu'on parle transmission, la transmission dans plusieurs de ses dimensions, celle de l'identité, celle du savoir-faire que l'on se transmet, celle du process industriel, celle du savoir-être. Quelle dimension de votre expérience précisément souhaiterez-vous transmettre le moment venu ? Je crois que vous parlez de savoir-faire et de savoir-être. Chez Michelin, ce sont des dimensions essentielles. La transmission de cela fait partie aussi de mes responsabilités. Le savoir-faire est quelque chose de tellement essentiel dans notre métier qu'il faut y veiller en permanence. Comment faire pour que les équipes puissent transmettre à leurs successeurs tout ce qu'ils savent? Et Dieu sait si ils en savent des choses, vous savez. Que ce soit dans nos usines, que ce soit ici, le savoir-faire est quelque chose de clé dans la vie de Michelin. Quant au savoir-être, il porte beaucoup sur la mise en œuvre des valeurs de Michelin. Vous savez, ces valeurs de respect, elles ne sont pas affichées sur tous les murs, mais elles sont dans tous nos esprits. Alors, il faut s'efforcer, parce que c'est jamais simple, toujours, mais il faut toujours s'efforcer de les faire vivre. Et cette transmission du savoir-être, pour moi, est très très important. Quand on embauche quelqu'un ici, on lui dit ça, on lui parle, oui, de ce savoir-être. Oui, on lui dit. Alors évidemment, au début, la personne se demande ce que ça veut dire, mais elle comprend très vite, une fois qu'elle est rentrée dans l'entreprise, de quoi on parle. Il y a une transmission de ces valeurs entre les plus anciens et les plus jeunes? Certainement, et certainement. Et une volonté des plus anciens, une fierté, je dirais, des plus anciens de transmettre ces valeurs. Je le vois partout. Fierté, volonté, avez-vous dit? Oui, fierté, passion. Et tout ça, vous retrouverez ces éléments-là. Et la transmission, elle se voit dans les yeux de ceux qui bientôt partent à la retraite ou qui ont quelques années devant eux pour transmettre ce qu'ils savent. Ça se voit. Les personnes ont tellement envie de transmettre ce qu'ils ont appris. Voilà. Et quant à moi, je vous l'ai dit, la transmission, pour moi, c'est de m'assurer que, quoi qu'il arrive, le progrès de Michelin soit permanent, mais qu'il intègre une dimension humaniste. Intégrer la dimension humaniste tout en faisant progresser l'entreprise sans cesse, c'est une nécessité. Merci à Jean-Dominique Sénard, son interview et d'autres passages de cette interview sont d'ores et déjà sur les réseaux sociaux à travers le Journal de l'Écho, le site Info Magazine, mais également le site Vue d'Auvergne et la chaîne YouTube Vue d'Auvergne. Éric Golfier, vous dirigez Caillot, une grande et belle entreprise d'électricité, de matériel électrique, de grossiste en électricité, en matériel électrique, qui est dans un premier temps le succès professionnel et personnel de votre grand-père, puisqu'il l'a créé en 1927. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, un jour, de vous dire, peut-être que moi, je pourrais diriger et m'asseoir dans le fauteuil de papy ? De papy. C'est en fait une longue histoire et c'est, je dirais, surtout une histoire d'éducation où tous les jours de la semaine à midi, mon père nous réunissait, mes frères et moi, dont nous sommes quatre frères, quatre garçons, avec ma mère, il nous expliquait un petit peu les choses de la vie autour de l'entreprise et il nous a formés dès le plus jeune âge au métier du chef d'entreprise. Vous étiez jeune, petit ? Ah, très, très petit, oui. Donc tous les jours à midi, vous aviez un cours en fait de management d'entreprise ? Exact, un peu à l'ancienne, mais c'était quasiment un cours de management, comme on pouvait le dire, oui. Et ça vous a donc frappé, forcément vous nous en parlez ce soir, mais ça vous a donné envie d'aller beaucoup plus loin et de vous lancer le moment venu. C'est même pas une envie, il nous a fabriqués pour l'être presque. Alors j'exagère un petit peu, parce qu'on a eu ensuite, de par nos
nos études, nos propres ambitions, nos propres développements professionnels. On a pu évoluer, mais on avait dès ce plus jeune âge cette envie de faire quelque chose et puis cette envie aussi de reprendre cette entreprise qui existait. Le fait d'être le descendant du fondateur, est-ce que ça vous donne une mission particulière ? Est-ce qu'il y a sur vos épaules un enjeu supplémentaire, une obligation de réussite ? Parce qu'on vous a transmis quelque chose qui était réussi. Réellement, l'obligation, on l'a par rapport à nos résultats fiscaux qu'on doit remettre. Je vois un spécialiste tout à l'heure, je l'ai perdu de vue. Où on doit forcément remettre des bilans corrects, avoir des notes très favorables aussi auprès de la Banque de France. Donc ça, c'est tout cet enjeu financier. Mais au quotidien, la seule pression, c'est de, on va dire, garder le nom, garder l'entité, où très régulièrement, on peut avoir des propositions de rachat, puisque bon, j'ai mes deux concurrents qui sont des leaders mondiaux, de la taille de l'entreprise Michelin qu'on voyait tout à l'heure. Donc face à eux, c'est tout à fait simple aussi d'être, de pouvoir vendre cette société facilement, alors que l'enjeu est de résister et de combattre ces gens-là. Oubliez qu'on vous regarde, oubliez qu'on vous écoute, oubliez qu'il y a 100 personnes autour de nous. Est-ce que, Eric, vous avez le droit à l'échec ? Non, mais entreprise, on va dire... La question vous gêne familiale. Pas. Non, ah non, elle ne me gêne pas, mais je n'ai pas le droit à l'échec, non, mais pas plus que si je montais et une entreprise. Pourquoi n'auriez-vous pas droit à l'échec ? Ben, c'est parce que ça, c'est, je dirais, dans la question est compliquée, mais c'est dans le formatage de l'éducation, le formatage de l'homme. L'échec, je n'aime pas l'échec, donc on lutte contre une défaite, donc forcément, on se donne tous les moyens pour réussir. Comment inscrit-on entreprise familiale ou non, en tout cas. Précisément par rapport au nom, NOM, comment inscrivez-vous votre prénom et ceux de vos frères dans cette histoire familiale et patrimoniale ? Déjà, je travaille, j'ai racheté la société, hein, puisque la succession et la transmission, c'est toujours compliqué. Nous ne sommes pas des héritiers, c'est la grande différence, que l'héritage, c'est ce qu'une personne donne à son décès. Mes parents, fort heureusement, ne sont pas décédés, sont encore en vie. Et ensuite... de cette formidable entreprise, nous avons tout le souhait de la développer et de l'enrichir aussi. Mais si vous êtes en train de nous dire que vous n'en avez pas hérité, c'est que vous l'avez racheté à un moment donné ? Et donc, on l'a racheté, puisque pareil, une entreprise ne se donne pas, on l'achète, il y a un tarif qui, je l'avoue, est certainement intéressant, mais on ne l'a pas payé donc au prix fort, mais on l'a payé et on l'a paye encore, parce que même s'il y a plus de 20 ans, les sommes conséquentes qu'on a dû payer, on les paye encore. Eh bien, nous voilà la transition toute faite. On va parler de transmission avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale, Claude Barbin. Merci d'être avec nous. C'est bien là la question de la reprise ou de la cession d'entreprise qui est au cœur de nos échanges et de ce qui est en train de nous dire à l'instant Éric Golfier. Comment la CCI comment accompagne-t-elle justement les entreprises dans cette cession, dans cette reprise d'entreprise ? Quand on parle de transmission, il y a une sorte de triptyque gagnant qui correspond à la vie de l'entreprise. Il y a la création, il y a le développement et il y a la transmission. Et la transmission, elle fait partie de la vie du territoire. C'est-à-dire que le territoire, ce sont les entreprises. Et la chambre de commerce, les chambres de commerce, ainsi que les chambres de métiers, ont une velléité, ont un devoir d'accompagner les entreprises dans toutes ces phases de l'entreprise. Alors, transmettre, c'est réussir à réunir à la fois un acheteur et un vendeur. Et réussir également à faire comprendre à un vendeur qu'il est peut-être temps de vendre et à un acheteur qu'il est peut-être temps d'acheter. Et sur le territoire du Puy-de-Dôme, on peut dire que sur 25 000 établissements, nous avons 20% de dirigeants ou dirigeantes d'entreprises qui ont plus de 58 ans, répartissant deux tiers hommes, un tiers femmes. Aux 58 ans, il faut y penser ? Claude Aubert l'a évoqué, ça s'anticipe parce qu'il faut préparer le passif social de l'entreprise, il faut réussir à faire en sorte que la mariée soit belle, il faut faire en sorte aussi que... Elle peut être très belle après 58 ans. Hein. Oui, mais ce travail-là, c'est un travail de longue haleine, il y a une préparation et au sein de nos chambres, nos services sont en capacité à accompagner à la fois les vendeurs et les acheteurs. Cependant, il faut également faire en sorte que le territoire
soit attractif, parce qu'il faut faire venir des acheteurs. Et le territoire, un territoire attractif, c'est également un travail de la Chambre et d'autres acteurs. Et je peux dire qu'aujourd'hui, avec le fait que Clermont devient métropole, ça rend l'attractivité encore plus importante, ça fait venir des actifs sur notre territoire. Et j'ai envie de dire que tous autour de ce plateau, nous avons mesuré le poids de l'attractivité d'une victoire de Clermont. La SM. Et à un moment donné, c'est un coup de projecteur sur un territoire qui donne envie à des gens de venir, à s'intéresser à ce territoire, et pour transmettre ensuite des entreprises, ça nous facilite la vie. Restons quelques instants, et ce sera ma dernière question, sur justement la seule thématique de la reprise d'entreprise. Je vais vous poser une question, mais je vous l'ai déjà posée à la radio sur RCF ou sur Fan Auvergne, le site Fan Auvergne. Je connais votre réponse, mais elle m'interpelle à chaque fois, et j'ai envie que vous la proposiez à tous nos invités. Pourquoi la reprise n'a-t-elle pas bonne presse? On a l'impression aujourd'hui que le citoyen français est plus enclin à vouloir créer quelque chose que reprendre quelque chose qui existerait déjà. Je crois que c'est une question de personnalité. Nous avons des hommes et des femmes qui comprennent l'intérêt de repartir sur une entreprise qui a des valeurs, une entreprise qui a un passé et qui a déjà un carnet d'adresses. Cependant, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, on a souvent envie d'être le premier de sa race. Voilà. Et donc de créer. Mais comme je vous l'ai dit, la courbe de vie de l'entreprise, il y a toutes ces phases-là. Il y a la création, il y a le développement et la transmission. Donc on est présent à tous les moments de la vie de l'entreprise, sa courbe de vie. Et à chaque étape, notre chambre a une réponse. Et nous l'apportons. Voilà un invité qui lui aussi est présent à toutes les courbes de vie de Vue d'Auvergne, puisqu'on a commencé... Les sujets Vue d'Auvergne sur le barrage de l'Aigle avec vous, Alain Martel. Et voilà, ce soir, vous êtes ici. Vous nous suivez aussi à travers cette évolution de Vue d'Auvergne. Vous représentez l'entreprise EDF et ses différentes filières territoriales. Dans votre groupe, on est riche, comme l'on dit, de savoir-faire, de process. J'ai eu peur. on est riche de savoir-faire, de process industriels. En quoi la transmission de ces process peut être une force pour une entreprise comme la vôtre? Mais la force principale pour une entreprise industrielle comme EDF, mais c'est vrai aussi pour d'autres entreprises, c'est la compétence des personnes qui œuvrent dans cette entreprise. Et la compétence, elle s'acquiert, Mathias Bernard l'a dit tout à l'heure, elle s'acquiert bien sûr dans la formation initiale, mais elle s'acquiert aussi par la transmission auprès de ses pairs et de ses anciens. Donc finalement, dans une entreprise industrielle de long terme, comme peut être le domaine de l'énergie, avec des installations qui ont parfois plus de 100 ans, mais cette compétence se transmet. C'est un peu, j'allais dire presque du corporatisme, par les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise. Alors, elle se transmet, mais elle se dynamise aussi par les générations qui arrivent. Tout à l'heure, on parlait... un peu des start-up, on n'a pas parlé de numérique vraiment, mais tout ça est en train d'arriver dans nos industries. Et l'apport des jeunes aussi, c'est une forme de transmission vers les plus anciens. Les jeunes, finalement, maîtrisent mieux certaines nouvelles technologies que les anciens. Donc, finalement, cette transmission, elle est un peu dans les deux sens aujourd'hui. Elle n'est pas uniquement des plus anciens vers les plus jeunes dans l'entreprise. Vous parlez des plus anciens de l'entreprise, en l'occurrence celle que vous représentez, EDF. On pourrait parler aussi tout simplement du turnover, des personnes qui à un moment donné viennent chez vous, puis vous quittent. Est-ce que ces personnes ont conscience qu'elles sont dépositaires d'un savoir et qu'il faut néanmoins le transmettre le moment venu? Oui, je crois que ça c'est une... Dans les grands groupes industriels, cette conscience du fait qu'il y a un savoir détenu par les équipes, elle est très présente. Et la transmission se fait relativement bien, à mon avis. Alors, on a un patrimoine aussi qui est un peu historique. On parlait des barrages tout à l'heure. Nos installations industrielles, je le disais, sont de longue durée. Donc, elles constituent aussi un patrimoine, dans le fond, que l'on transmet. Alors, bien sûr, il évolue. Bien sûr, il y a des technologies nouvelles. Bien sûr, ça s'adapte. Il y a déjà l'idée de maintenir ce patrimoine industriel et on s'attache, et c'est vrai pour des grandes infrastructures, bien sûr dans l'énergie, mais aussi les autres, à le maintenir, à le tenir en bon état. Ça me fait penser un peu au château de Parentignat. Donc c'est un peu la même chose, hein, finalement. Donc c'est la dimension, comment je le maintiens, comment je l'entretiens, comment je l'améliore, comment je le valorise. Et ça, c'est le même travail, finalement, hein, quand on a des installations ou des infrastructures en général. Ce n'était pas prévu, il n'a pas lu mes fiches, mais c'est exactement la question que je voulais vous poser. Ça passe très bien en termes de transition. Ça tombe bien.
Comment travaillez-vous presque au jour le jour avec vos équipes? Il y a 7 personnes, je crois, ici, attachées au château chaque jour, tout au long de l'année. Comment travaillez-vous à permettre que le grand public, justement, puisse, comme nous ce soir, être privilégié et découvrir ces lieux? Ben écoutez, il y a la période d'ouverture aux visites. Il y a aussi les manifestations, je dirais, un peu philanthropiques de notre part, qui sont Art d'école, qui a lieu, ben, sauf cette mais année, qui n'a pas lieu à Barentinière. Voilà. Monsieur de Lastic, vous êtes oublié de chef d'entreprise. Non, mais j'allais parler après des manifestations qui ne sont pas philanthropiques, comme le Salon des Vins, qui attirent, entre Art d'école et le Salon des Vins, nous avons... pratiquement les deux tiers du public, les deux tiers de nos visiteurs de l'année qui viennent sur ces journées. Après, le reste, c'est l'ouverture au mois de juin, juillet, août, septembre au public, avec des guides qui sont maintenant des habitués de Parentinière, qui sont des passionnés et qui font découvrir au public la collection de peinture, l'histoire du château et les différentes salles que vous allez pouvoir voir. Et le jardin. Ouais. Henri Pourra, célèbre écrivain régionaliste d'Auvergne, a dit de votre château, c'est le petit Versailles d'Auvergne. Sacré coup de pub. Oui, c'est un super coup de pub. D'ailleurs, on l'a repris, c'est ce qui est sur notre site internet. Je pense que c'est la forme de Parentinière en U, avec les deux écuries, qui a donné ce surnom de petit Versailles auvergnat. Et surtout que Parentinière était très richement meublé, puisque mon ancêtre, le général de Lastic, qui avait quitté la cour en 1780, avait rassemblé l'ensemble de son mobilier, de ses différentes propriétés, à Parentinière. Donc Parentinière était anormalement plein. Dans des inventaires, on a les salons du rez-de-chaussée qui étaient meublés avec 55 fauteuils, ce qui, je ne sais pas comment on pouvait avancer ou même circuler. Donc c'est peut-être ça qui a valu le surnom de Petit Versailles auvergnat. Autre date importante pour le château, 1789, la Révolution française, un moment particulier de l'histoire de notre nation, du Royaume de France à l'époque. Le château est épargné au moment de la Révolution. Expliquez-nous. Toujours ce même général de Lastic, qui avait des idées extrêmement libérales, qui était très proche de Lafayette et qui s'est engagé dans les armées révolutionnaires de Dumouriez et qui a combattu... et en fait, il avait apparemment un sale caractère. Donc quand des gens sont venus pour saisir les archives ou brûler les archives, puisque les archives représentaient en fait les titres de propriété, on a une description qui dit qu'il les avait renvoyés fraîchement, donc il devait avoir pas mal d'autorité. Bon, il a immigré en 92, mais le régisseur qui s'occupait de Parentinière a maintenu les lieux en état. Et en fait, ça a traversé la Révolution quasiment indemne. D'ailleurs, il y a une inscription sur le moulin qui remercie le citoyen Lastic d'avoir érigé à ses frais un atelier de salpêtre libre et républicain. Merci pour l'anecdote. Nous parlions avec Alain Martel, Claude Barbin et Eric Golfier de l'importance de la transmission en entreprise. C'est aussi le point de vue de Jean-Dominique Sénard, qui toujours dans cet entretien exclusif pour Vue d'Auvergne, précise en quoi il y a dans la transmission, messieurs, ça va vous intéresser, mesdames aussi, une responsabilité de la personne pour l'avenir même de la structure. Jean-Dominique Sénard, vous nous parlez du maintien de la cohésion du groupe qui semble vous tenir à cœur. On pourrait peut-être parler de ce que les observateurs appellent la transformation sociale ou la transformation industrielle pour le groupe. Ça passe par quoi et ça s'organise de quelle manière? Ah, c'est un sujet complexe qui nécessite énormément d'attention. Et c'est vrai que ces 5 dernières années, mais ça ne date pas d'il y a 5 ans, nous avions commencé avant, mais ça a été assez intense ces dernières années. Nous avons, chez Michelin, assisté à une assez forte transformation du groupe à travers, j'allais dire, son organisation industrielle. Et tout ceci s'est fait avec beaucoup, beaucoup d'attention aux personnes. Elle était nécessaire. Vous savez, la compétitivité de l'entreprise est quelque chose d'absolument clé pour son avenir. Et lorsque l'on voyage beaucoup, comme c'est mon cas, je me rends compte à quel point nos concurrents dans le monde entier progressent. Et Michelin ne peut pas se permettre de ne pas progresser. Les équipes adhèrent à ce projet? Les équipes comprennent. Les équipes comprennent de plus en plus ce qui se passe. Comprennent l'enjeu de la compétitivité par rapport à la concurrence étrangère. Je crois qu'on en parle très simplement.
les esprits sont beaucoup plus prêts et ouverts à cela. Et c'est ça qui est très très agréable, parce que ça permet d'accompagner ces mouvements de façon extrêmement robuste et paisible. Il y a eu cette transformation industrielle qui est forcément, je dirais, un sujet majeur. Il y a eu, je crois aussi, de très très grandes avancées dans le domaine de la relation sociale dans l'entreprise. C'est probablement ce dont je suis le plus fier d'ailleurs. Avec un rapport différent à la responsabilité ? D'une certaine manière, oui, puisque au sens large, je souhaite vraiment que l'entreprise intègre ce principe de responsabilisation, qui est une forme de confiance faite aux équipes. C'est pas simplement l'application d'un principe de la subsidiarité qui est un peu technocratique, mais c'est le principe de la confiance. La responsabilisation, c'est aussi faire confiance aux équipes sur le terrain pour discuter, traiter de l'avenir, penser aux solutions qu'il faut apporter pour la compétitivité des sites, etc. Nous avons eu d'ailleurs des exemples formidables ces dernières années qui ont été montrés comme des exemples. J'en suis très fier. Il faut continuer. Voilà. Il faut surtout pas arrêter. Cette transformation industrielle, cette transformation sociale, c'est l'assurance de l'avenir de Michelin, de sa compétitivité, de son rayonnement dans le monde. Et ça, j'en suis très fier. Merci à Jean-Dominique Sénard pour cette interview exclusive. Dernière partie, dernière séquence avec trois nouveaux invités. Olivier Bout, président de Chadaz et Gaz, la société Chadaz et Gaz dont vous avez déjà parlé, vous aussi, dans Vue d'Auvergne, qui est spécialisée dans la géothermie ou la récupération d'énergie par méthanisation. J'ai fait simple dans la présentation. Plusieurs millions, Olivier, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Cette belle réussite, elle est relativement récente à l'échelle de votre propre parcours professionnel. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette prise de risque, peut-être un peu folle à un moment donné de votre vie, et notamment à l'heure où d'autres auraient peut-être pensé être un peu plus pépères ? Oui, alors comme j'ai eu l'occasion d'en parler de temps en temps, en fait cette prise de risque, c'est un jour où je suis tombé d'un arbre. Et c'est la réalité. Vous êtes fait mal. Et oui, et pendant quelques mois, j'ai eu le temps de réfléchir. On rit, mais on est un certain nombre à vous connaître et on sait que vous êtes fait très mal. Alain notamment vous connaît. Et ça m'a fait réfléchir sur finalement à quoi on sert quand on est sur cette planète. Et alors, vous avez la réponse ? Et j'ai une réponse, qui a été celle que j'ai mise en œuvre en créant cette société, c'est qu'on doit transmettre, mais transmettre en fait ce qui nous entoure. Donc il faut avoir une activité au présent, mais il faut penser à ce qu'on va pouvoir transmettre de l'environnement. C'est pour cette raison que vous êtes allé justement dans le rapport à la nature à travers la méthanisation, la géothermie. Bien sûr, parce que notre chère planète nous propose tout un tas de ressources naturelles. Nous avons des besoins d'énergie pour pouvoir vivre. Et donc, on a automatiquement, il faut se servir, mais il faut se servir raisonnablement. J'ai comme slogan au niveau de l'entreprise une phrase de Saint-Exupéry que j'ai pu repérer aussi dans d'autres livres anciens. Qui est, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et je crois qu'à partir du moment où on a ça en tête, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et dans les années qui vont venir, je pense à la COP21, je pense au réchauffement climatique, on voit quand même que quelque part, l'activité humaine a eu un impact sur notre environnement. Eh bien, il faut réfléchir à comment on raisonne par rapport à cet impact et comment on peut transmettre, du coup, quelque chose qui soit viable pour les générations futures. Une question peut-être plus politique. On l'ose ici, à Parentina, on a dû faire de la politique aussi dans ce salon, il y a quelques années, peut-être avec vos ancêtres. Sûrement. En tout cas, des discussions politiques. Alors, on va poursuivre la discussion d'un point de vue politique. Votre regard à vous, votre réaction sur la décision du président des États-Unis d'avoir... d'être sorti du protocole de Paris et donc de ce protocole lié à la diminution du gaz à effet de serre. Alors d'abord, moi j'ai trois éléments de réaction par rapport à ça. Le premier, c'est finalement quelque part renoncer ou revenir sur une parole d'État. Le deuxième élément, c'est à mon sens une erreur économique pour son pays. Et le troisième élément, c'est un message d'égoïsme
vis-à-vis du reste de la planète. Alain Soreau, président, directeur général des restaurants McDonald's ici en région Auvergne. Vous avez en quelque sorte, je sais que vous n'aimez pas ce type d'introduction, mais je vais le faire quand même. Vous avez en quelque sorte un empire à travers le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et surtout le nombre de sandwichs vendus chaque jour dans vos restaurants. Quel regard portez-vous sur votre réussite, Alain ? En tout cas, cher Marc Annecy, je suis très heureux que cette année vous ayez réussi à m'interviewer deux fois. C'est très rare. Votre emploi du temps est tel ? N'est-ce pas ? Mais néanmoins, par rapport à l'Empire, s'il vous plaît, je pense qu'il y a un général qui est passé par là. C'est un peu dommage. Pour moi, je n'ai pas d'Empire, je n'ai que du... Vous avez une réussite. Même pas, mais je vous ai déjà expliqué une fois et je recommencerai une deuxième fois avec grand plaisir. C'est la plus belle réussite, c'est de former des jeunes, de les faire évoluer, de transmettre un savoir, de transmettre une compétence, d'avoir une confiance, comme disait M. Sénard. Et tout ça, ça donne de l'expérience. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce pays, on va voir l'expérience qu'on va trouver sur le terrain prochainement. On risque d'avoir des grosses surprises. Mais néanmoins, l'expérience, la confiance, le savoir, la transmission, c'est mon boulot. C'est ma vraie réussite. Vous avez un parcours et une évolution particulièrement atypique, Alain Soreau. Vous avez commencé en vendant de la lingerie féminine, oui. Prête à porter. Bien sûr. Voilà. Je suis très fier, d'ailleurs. Mais certainement, c'est très beau, la lingerie féminine. Où sont les liens entre la lingerie féminine et les sandwichs? Je vous vois arriver, bien pas entendu. Du tout, c'est... Non, mais c'est... je ne sais pas ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce que tout ça vous a appris de vos premières... Ça m'a appris mon premier métier commercial. Ça m'a appris à être à l'écoute de mes produits, de la consommation, de vendeur, d'être commercial au bout des doigts. Et puis après, passer au sandwich, c'est un peu la même chose. C'est, de toute façon, je dirais... Allez, on va le faire aussi. C'est des produits qui se vendent chaud de toute façon, et c'est très bien comme ça. Donc, ça vous va comme réponse ? C'est votre réponse. C'est votre réponse. Vous me l'aviez déjà fait dans la précédente interview. Tout à fait. Vous me l'aviez déjà fait. Aujourd'hui, vous pensez à la transmission de vos restaurants ? Alors, sachant que votre image, l'image McDo est particulière parce que vous êtes propriétaire de vos restaurants, mais vous n'êtes pas propriétaire de la marque. Tout à fait. Donc, vous n'avez peut-être pas les coudées franches sur qui reprendra la suite. Coudées franches, disons qu'il y a un livre blanc pour la reprise de l'ensemble du groupe, on va dire. Ça va être bien sûr des gens qui sont déjà dans l'entreprise générale de McDo France. Ça va être des gens qui connaissent la situation et la formation de ce système. C'est certainement pas un banquier qui va me reprendre, ce n'est pas n'importe la personne qui a 2-3 sous qui va reprendre l'affaire, ça ne marche pas comme ça. J'ose la question, vous en avez parlé avec votre fille, que je salue et qui est juste derrière nous. Bien entendu, je l'ai fait rentrer dans l'entreprise, à sa demande d'ailleurs, je crois, avec son compagnon, son futur mari. Je la forme. Je donne de l'expérience, j'essaye de donner du doigt et de la diplomatie. C'est pas toujours facile avec les jeunes, mais je pense que j'essaye de lui apporter tout ça pour demain. Il y a des messages subliminaux qui passent. Il y a des peut-être messages. Lui apporter. Et est-ce que vous lui avez dit, tel que je vous connais, j'en suis sûr, est-ce que vous lui avez dit que le fait de s'appeler Soreau, ça suffirait pas ? Exactement. Et alors elle vous a répondu quoi ? Tu vas voir. Ah, ça c'est intéressant comme réponse. Ça veut dire que quand même, elle ancre son devenir aussi sur ce que vous avez porté. Bien sûr, j'espère. Et ça rejoint tout ce que nous ont dit nos j'espère. Invités. Mais bien sûr, j'espère qu'elle aura cette volonté, cette compétence que je lui apporte, ce savoir-faire, d'être. Et puis surtout c'est pas le nom qui est intéressant, c'est comment le devenir surtout. Comment le devenir. Je suis né avec une cuillère en bois dans la bouche et certainement pas autre chose. Et j'en suis fier aussi, puisque j'ai réussi, avec un certificat d'études doublé d'un brevet, quand même, à arriver là où je suis, à monter, comme vous avez dit, un groupe, et non pas un empire. Mais j'en suis très fier, et je continue à développer. J'ai réussi à faire décaler l'âge de ma retraite. Parce que ça aussi fait passer des choses, mais j'ai pas envie de l'apprendre, tant que j'ai les neurones, la santé, et le moral, et la force physique pour le faire. Au contraire, je développe de plus en plus, parce que j'ai ouvert dernièrement, comme vous le savez, un nouveau restaurant à Vertaison. On m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Donc ça, c'est mon boulot, de trouver des points de vente pour développer. Et en fin de compte, il marche très très fort. Et vous saurez vous éclipser le moment venu ?
J'aurais du mal, je crois. Hein. La réponse est honnête. J'aurais du mal, parce que voilà, c'est comme ça. Prendre ma retraite, je ne sais pas jouer très bien au tennis, plus maintenant, je sais très peu jouer au golf. La pêche, pourquoi pas, ça ne doit pas être mal pour la patience. Voilà. Vous me rappelez le prénom de votre fille et de votre gendre ? Mon gendre s'appelle Antoine, et sa future femme s'appelle Léa. Léa et Antoine, vous avez, on les voit à l'image, vous avez entendu le message subliminal d'Alain Soro. Jean-François Deveau, avec vous, je souhaite aborder la notion d'exemplarité. Je tiens à dire que vous représentez un partenaire particulier, un partenaire financier qui d'ailleurs a soutenu, dès le départ l'aventure de Vue d'Auvergne, et je vous en remercie publiquement. Quand nous avons partagé nos points de vue, tous les deux, il y a un mois et demi à peu près, pour préparer cette rencontre, sans hésiter, vous m'avez dit, transmettre, c'est principalement avoir une valeur d'exemple. Comment se met-on dans la posture de la valeur d'exemple ? Oui, alors effectivement, je vous ai peut-être dit que c'était avoir une valeur d'exemple, mais je pensais que c'était une question que vous poseriez peut-être à un philosophe que vous feriez venir. Je crois que la notion d'exemple est très difficile à appréhender, et je crois même que c'est aussi tout aussi difficile de donner une définition de la valeur de l'exemple. Et j'y pensais d'autant, Marc-Alexis, en vous écoutant au cours de cette réunion, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Et vous êtes un bon journaliste. Merci. Anne-François de Lastic, est-ce que être héritier d'un tel lieu, c'est aussi être dépositaire d'une manière d'être ? Aujourd'hui, vous êtes aristocrate, vous avez un titre de noblesse. Est-ce que c'est être dépositaire de quelque chose de particulier au XXIe siècle ? Êtes-vous dans cette logique de valeur d'exemple dont parlait Jean-François Deveau à l'instant ? Je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Je ne pense pas qu'il y ait de... Ce n'est pas parce qu'on hérite d'un château qu'on est exemplaire. Ce n'est pas parce qu'on hérite d'un château qu'on a une valeur d'exemple. Ce n'est pas parce qu'on a un titre de noblesse qu'on est mieux que les autres, moins bien, ou qu'on a... ou qu'on doit servir d'exemple. Je pense que c'est simplement la façon dont on gère ce qu'on a hérité et dont on va le transmettre qui est important. Vous n'avez pas d'héritier. Qu'avez-vous décidé pour l'avenir de ce château, à moins qu'il y ait des gens qui veuillent l'acheter, là, je ne sais pas, on peut voir. Écoutez, non, il n'est pas à vendre. On m'a fait pas mal d'offres quand j'ai hérité de Parentigny à 23 ans, mais je les ai toutes refusées. Écoutez, je vais un peu être dans la lignée de mes grands-parents maternels qui ont créé en 1964 la Fondation Royaumont, donc qui avait déjà, dans un souci de transmission d'un bâtiment qui était très important, et dans un souci de mémoire, voulu faire cette fondation qui est pour le progrès des sciences de l'homme. Et en fait, j'aimerais faire la même chose à Parentigny sur un thème complètement différent. Puisque depuis 20 ans, on a des étudiants de Paris 1 et du Winterthur Institute qui viennent étudier, encadrés par des professeurs, je vous rassure, la restauration de peinture, donc en pratique, en théorie. Les ateliers, sont ici, oui. Et là, d'ailleurs, il y a un thème, alors c'est plus un colloque cette année, ça va être faire et défaire le patrimoine. Ça, c'est un autre thème. On pourra l'utiliser un jour, peut-être, dans Vue d'Auvergne. C'est un vaste thème, donc voilà, il faut qu'ils m'expliquent exactement de quoi ils vont parler. Mais, et en fait, l'idée, c'est de faire un centre de recherche et d'enseignement et de formation professionnelle autour de ce qui est transmission du patrimoine et en particulier restauration d'objets d'art. Et un jour, le château sera la fondation. L'idée, en fait, c'est d'avoir cette collection, le mobilier, les pièces, le domaine et en même temps des étudiants. Donc c'est vrai que c'est mieux de travailler et d'étudier dans un domaine comme Parentigny, comme ça l'est pour des artistes à Royaumont qui suivent des masterclass, que de faire ça dans un laboratoire d'université. Donc voilà, c'est un peu mon idée. Et ça permettrait de pérenniser la collection, le contenu et le contenant. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de votre château, de votre demeure. Je sais que vous préférez que l'on parle de demeure plutôt que de château. Merci beaucoup Anne-François. Je sais aussi que vous préférez que l'on vous appelle par votre prénom. Avant de conclure, je tiens à faire un clin d'œil amical à Georges Abicatar avec lequel j'ai collaboré pour Vue d'Auvergne pour les 4 premiers épisodes de cette aventure. Je l'en remercie sincèrement et lui souhaite un grand succès avec sa propre émission Les Gourmands Nés que je vous invite à aller voir sur YouTube. Je remercie Sébastien Godot qui réalise cette émission, la nôtre, ainsi que toute son équipe. Merci à Sylvain Godard, à Joanne Lanoé, notamment à Claire Baudouin,
à Thomas Fauveau, sans lequel cette soirée, vous le savez, cette soirée n'aurait pu être réalisée. Merci à nos partenaires, bien sûr, précieux. Michelin, EDF, les restaurants McDo, Chadaz et Gaz, la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous rejoint, Victoriz Air, Slicom, le magazine Info, la société de communication et d'impression multimédia, Print Conseil, Fan Auvergne, Radio RCF et à nouveau un clin d'œil au Crédit Mutuel Massif Central. Cette émission a porté sur le thème de la transmission, elle est visible sur la chaîne YouTube Vue d'Auvergne. Maintenant, mesdames, messieurs, qui nous avez fait l'amitié d'être là, ici, autour de nous, dans le salon, le grand salon vert et le grand salon rouge, je m'adresse à vous qui êtes présents. Je vous demande, s'il vous plaît, d'être à votre tour ambassadeur de Vue d'Auvergne et de nous aider à transmettre cette émission. Alors, pour cela, je vais vous demander de sortir de vos poches ou de vos sacs à main, vos smartphones, s'il vous plaît, d'enlever les modes avion, sortez vos téléphones, s'il vous plaît. Vous aussi, vous l'avez rangé. Bon, alors je vois sur les écrans que tout le monde joue le jeu. Il y en a même qui se lèvent pour aller chercher leur téléphone, Claude Barbin, par exemple. Vous faites, à cet instant, voilà, dans l'autre salon, on fait pareil, c'est sympa. Vous faites la photo de votre choix. Allez-y, faites la photo de votre choix. Voilà. Merci. Et puis, dans quelques minutes ou quelques heures, vous allez relayer, s'il vous plaît, sur vos comptes Facebook, Twitter, Instagram, avec un petit commentaire que vous conclurez par VDA Vue d'Auvergne. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous pour la 6e saison de Vue d'Auvergne dans quelques mois et nous parlerons de réussite. Bonsoir.